Autour du monde, des amoureux de la lecture apportent des livres aux habitants des îles lointaines, perdus dans l'immensité de la mer. En Suède, l'équipage du navire bibliothèque Rödlöga navigue sur la mer Baltique. Ces marins, pas comme les autres, ravitaillent les populations isolées de mille histoires. En Indonésie, Ridwan, capitaine du Kolik Puji, vogue dans le détroit de Flores, au sud de l'île Sulawesi. Avec des bénévoles et des pêcheurs, il transporte dans ses cales la magie de la littérature. En Europe et en Asie, ces bateaux tissent des liens entre les hommes, avec des milliers de pages et d'histoires.